En même temps, c'est un basculement de la notion de responsabilité, parce que quand je parlais de ta fille, en tant que mère, il y a comme un sens des responsabilités est associé à est-ce que j'assume ma responsabilité de mère ou ben non, je me sens, je me choisis, puis je fais ce qui est vrai 100% dans ma responsabilité d'être. Fait qu'il y a comme un sentiment d'être égoïste quelque part dans le processus. Oui. OK. Puis encore là, on sent la culpabilité qui peut monter. Oui, c'est ça. Ce qui est dit, c'est que cette responsabilité, c'est ça, c'est de quelle responsabilité parlons-nous? Hein? De la responsabilité sociale, celle qu'on nous a appris. Ou cette responsabilité. Alors, ce que je vais préciser, là, c'est que cette responsabilité dont je parle, c'est la responsabilité de notre vie, de notre connexion. Pour moi, ça fait longtemps que ça ne fait plus de sens, cette responsabilité extérieure. D'ailleurs, je n'ai jamais été vraiment dans ce système-là, mais c'est vrai que dans notre société, être responsable, ça veut dire faire des choses comme il faut, être une bonne personne, payer ce qu'il y a à payer quand c'est le temps de payer, répondre à des critères d'une famille, de ce que doit être une famille, de ce que doit être un bon employé, un bon patron, une bonne mère de maison, tout ça. Mais c'est vraiment pas cette responsabilité-là dont je parle. Parce que pour moi, ça ne fait pas de sens. Ça, c'est une responsabilité qui nous dit, ça fait partie des conditionnements extérieurs où on m'a appris à être une bonne fille, un bon garçon, et puis à répondre à ce que les autres s'attendent de moi. La responsabilité dont je parle ici, c'est hors de tout ça. Alors là, je ne réponds pas à aucun de ces critères-là. Quoique je devienne une personne beaucoup plus responsable, même à ce niveau-là, parce que ce qui est fait, c'est pas parce que ça m'est demandé ou obligé, mais c'est parce que selon mes propres valeurs, mon système de valeurs personnelles ou mon essence, c'est ce que je sens qui est juste. Et pour moi, là, on parle d'une vraie justesse, de vraie justice et de vrai, parce que dans cet élan spontané de l'être humain, quand je suis à la maison, dans mon essence, tous ces élans-là sont des élans constructifs. Un, ils sont constructifs pour moi-même, parce que tout mouvement, tout élan qui arrive comme ça de l'intérieur et qui est projeté par la parole, qui est libre, non conditionné, par un geste, par une action que je vais faire, un choix de vie que je vais faire, si je sens que ça part de l'intérieur de moi, mais vraiment du plus profond de moi-même, et que je mets cet élan intérieur en action, c'est bon pour moi et c'est bon pour mon environnement, même si ça peut être jugé de façon extérieure comme n'étant pas responsable. Et la réelle responsabilité, elle part de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et d'ailleurs, des grands drames de ce monde qui se jouent, c'est pas parce que c'est des responsabilités intérieures, mais bien extérieures. Plein de gens qui font plein de choses parce qu'ils sont obligés de les faire, parce que c'est ce qu'on s'attend d'eux, ça fait des guerres. Ça fait de la violence. Et ça fait des révoltes. Parce que ça va contre l'élan intérieur de ce qui m'habite réellement. Si chaque personne était connectée complètement à son essence et agissait comme une personne responsable dans cet élan intérieur, il n'y aurait pas de violence dans ce monde. Parce que tout le monde serait en train de faire ce qu'il y a à faire. Et il n'y aurait pas besoin d'avoir tous ces mouvements de réaction, de révolte et de... Alors,
oui, c'est une invitation à être 100% responsable à partir de notre essence. Et à être responsable aussi de ce que je crée avec ça. Tu sais, des fois, il arrive des affaires, tu dis, ouh, hein? Et je ne peux plus mettre la faute sur quelqu'un à l'extérieur de moi. C'est impossible. Si je me fais couper, si j'ai un accident de voiture, c'est pas à cause de l'autre. J'étais là. C'est tout. C'est pas grave. Ça m'amène à rentrer à la maison encore plus, à me connecter. Hop, un petit moment de déconnexion. C'est juste un événement neutre en soi. Quelle histoire, moi, je vais en faire? Ça, c'est un autre affaire. Qu'est-ce que je vais faire comme histoire sur cet événement-là? Imaginez si vous arriviez à voir votre vie avec cette neutralité, si toutes les histoires devenaient neutres. Comment ça serait merveilleux, quand même? Alors, c'est comme tout d'un coup, moi je fais juste le dire, là, c'est comme je sens toute une charge de culpabilité, de jugement qui n'est plus là, qui n'a plus de raison d'être. Imaginez votre vie sans jugement, sans culpabilité. Vraiment être libre de juste dire « Wouhou! Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu sais? Qu'est-ce que mon élan a envie de vivre? » Et on est fait pour vivre comme ça. On n'est pas ces histoires-là qu'on s'est racontées qu'on était. Et tant que je crois que je suis ça et que je veux changer ça, bien, je souffre. Je souffre parce que je veux être autre chose que ce que je suis. Je veux être un idéal de quelque chose ou je voudrais être en train de vivre dans un autre pays ou vivre dans un autre corps ou avec d'autres personnes. Mais c'est là que je suis. Parce que je peux vivre le mieux possible avec moi-même. En étant dans cet accueil, dans cette acceptation totale de qui je suis. En cessant de m'identifier à toutes ces histoires, parce que pour être toujours resté identifié à toutes ces histoires qu'on a connues, qu'on a vécues. Mais même si j'ai vécu des grandes déceptions, des grandes souffrances, même si j'ai vécu des grandes déconnexions, si je continue de m'identifier à ça, est-ce que je vais être plus heureuse? Est-ce que c'est la vérité, hein? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis l'histoire que je crois être, que j'ai pensé être? On est beaucoup plus grand que ce qui nous arrive. On est vaste. J'arrête pas de voir le dessin, l'autre que tu as fait. Je l'ai parlé à Dan hier. C'est magnifique parce qu'il y a un des esquisses qu'elle a fait. C'est un petit personnage comme ça, minuscule, avec le cordon ombilical, un placenta. Géant, mais géant, connecté, tu sais. Mais c'est ça, ce qui m'appelle ce dessin-là. Moi, il me parle tellement fort, là, c'est ça que je veux, ça. C'est comme l'être humain qui est tout petit comme ça, puis le potentiel qui est énorme. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On vit dans notre petitesse de pauvre moi, oui, mais moi, il y a ça, puis il m'arrive ça, puis c'est pas drôle, puis il y a un potentiel comme ça qui est là, le réservoir, il est là, géant, là. Mais à quelque part, là, la petite personne qui est là, elle sait que ça, c'est là. Hein? Alors, toute la souffrance qu'on peut ressentir, toute la détresse intérieure, la solitude, l'isolement,
C'est comme, je suis isolée de quoi? Je suis seule de quoi? Je suis juste pas connectée à ce réservoir immense, à l'univers, à tout ce que la vie offre. On est fait pour vivre vaste comme ça, puis on vit petit comme ça. En voulant pas trop prendre de place, mais t'sais, à pas vouloir prendre de place, c'est les personnes les plus dérangeantes au monde, les personnes qui veulent pas prendre de place. Parce qu'ils veulent tellement pas prendre de place que finalement ça dérange tout le temps. Tu sais pas quoi faire avec ces personnes-là parce que tu marches sur des œufs tout le temps. Parce qu'ils veulent pas prendre de place. T'sais. Mais en même temps, c'est comme, c'est ça, c'est pas se reconnaître, c'est pas s'habiter. Toute cette reconnaissance de l'être qu'on est. Et cette reconnaissance, c'est de l'être que je suis, pas de mon ego, pas du personnage que je suis. Nous autres, dans notre éducation aussi, on nous a appris à être responsables, puis on nous a aussi appris à être humble. Donc, à ne pas prendre de place, à ne pas trop parler de qui on est, de ce qu'on fait. Moi, ça m'a limité pendant bien longtemps, ça. Parce que, dans le fond, je pense que dans ma fonction, c'est de parler comme ça. Puis, ben, je ne fais pas parce que, tu sais, c'est comme, mais c'est, il n'y a rien là, c'est être soi-même, puis exprimer soi. Puis, de toute façon, les autres n'existent pas, donc c'est moi avec moi-même. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas de limite. Il n'y a pas, mais ça revient encore à qu'est-ce que les autres vont dire de ce que tu disais tout à l'heure. Mais il y a toute cette idée de l'apparence de ce que les autres vont penser. Mais c'est qui les autres? C'est quoi l'importance tant du regard de l'autre sur ce qu'il veut vivre en soi? T'sais, j'ai vraiment ce potentiel immense qui est là. Puis je le sais, là. Puis je reste chez moi, puis je fais ça comme ça, puis j'essaie de ne pas prendre de place. C'est triste. Je comprends qu'on soit nostalgique, triste, déconnecté, frustré, qu'il y en ait même qui veulent aller jusqu'à tuer. Parce qu'ils veulent tuer ça, ils veulent pas vivre ça. Oui, c'est un processus, et oui, on peut faire ça tout de suite. Parce que c'est une croyance de penser que ça demande du temps. Parce que cet état-là, plein, il est là tout le temps. Il n'y a rien à atteindre, il y a ça qui est là, et c'est là. Est-ce qu'on y a accès ou non? C'est la seule différence, mais il n'y a personne qui ne peut pas connaître cet état de plénitude et de grande connexion. Parce que cet état-là, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, même quand je suis le plus déconnecté que je peux être déconnecté ou dans des croyances ou des histoires profondes, il coexiste en moi tout le temps. Il est là. Même quand moi, je ne suis pas connectée à ça. Alors oui, si on voulait, on peut juste... Et d'ailleurs, quand on le fait, on a fermé nos yeux tantôt, quand on rentre en soi comme ça, on sait que c'est là. C'est là tout le temps.